Ok yo, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne secondaire. C'est la deuxième vidéo Rocket League de la chaîne. Si jamais t'es sur cette vidéo, c'est soit que tu viens de ma chaîne principale, soit que tu m'as découvert grâce à cette vidéo. Du coup, bah je t'invite à t'abonner. Pour ceux qui savent pas, cette chaîne secondaire, c'est une chaîne qui me sert à faire d'autres jeux que Fortnite. Vous pouvez retrouver plein de types de jeux, du Rocket League, du Among Us, du Fall Guys, enfin je vais en faire plein. Alors avant toute chose, sachez que maintenant aussi, vu que je fais des vidéos sur Rocket League et j'ai un code créateur sur Rocket League, c'est comme ma chaîne, c'est comme sur Fortnite, c'est comme sur tous les jeux d'Epic Games, c'est comme ma chaîne ZETFAR. Donc ça fait ZFAR, bim, comme ça, vous faites accepter. Et là on est bon. A la base je le publiais pas parce que je partais du principe que vu que je faisais pas vraiment de contenu sur Rocket League, bah je préférais laisser les soutiens à ceux qui faisaient vraiment du contenu. Mais maintenant que je vais faire du contenu régulier, bah n'hésitez pas. Je précise aussi que là, l'intro je la tourne plus de 3 semaines après le tournage de la vidéo. Entre temps j'ai évolué, j'ai eu des nouvelles voitures, des nouveaux items, je me suis amélioré, je suis passé bientôt diamant, solo. Bon c'est plutôt pas mal en vrai, hein. C'est clairement pas ouf, j'ai pas le meilleur niveau mais je m'entraîne petit à petit. Et dans cette vidéo, Sniper RL va vous expliquer quelles sont les meilleures touches à avoir, quelles sont les meilleures techniques à apprendre quand vous commencez. Enfin voilà, un peu tout. Je pense que j'ai à peu près tout dit. Et puis sur ce du coup je vous laisse avec la vidéo. Attends, non, non, avant ça, faut que tu me donnes tes settings. Ouais, vas-y, je vais dans paramètres, options. Tu fais comme ça, tout le monde dans ta vidéo, ça va leur servir. Tu vas dans caméra, ok. Alors, faut que tu modifies un petit truc. Distance, tu la mets à 270 à la place. Ouais. Rigidité, tu la mets à 0,50. Ok. Et ton angle, tu le mets à moins 3. Ok, c'est bon. Bon, ouais, du coup, les gars, ça peut servir à tout le monde, je pense, ces settings-là. C'est des randoms, là, en face. Bon, ouais, c'est doux, c'est du jeu de la casu, tu vois, donc... Il fait déjà Spider-Man. Là j'ai fait ça s'appelle un flip reset. Je sais pas si tu connais. J'ai déjà entendu le terme, ouais. Bah c'est ça. En gros c'est quand je récupère mon jump en collant mon 4 fois la balle, regarde. Alors, hop, et du coup je peux ressauter. Ah mais what, mais attends mais... Bon, ça c'est très compliqué à faire vraiment, ça c'est l'une des mécaniques les plus dures du jeu je pense. T'as commencé à savoir le faire au bout de combien d'heures de jeu ça? Bah en fait si tu veux il n'existait pas moi quand je jouais. Il a été inventé pendant que je jouais au jeu en fait. Et tu penses qu'il faut vraiment beaucoup s'entraîner pour avoir les mechas ou ça vient comme ça? Ouais non ça... Après tu peux jouer normal et ça viendra avec le temps tu vois, mais c'est important de faire des petites sessions mecha tu vois. Après le truc qu'il faut pas faire c'est être trop dans la mecha tu vois. Bah en fait, le problème de beaucoup de gens c'est qu'ils sont trop en mécanique mais ils ont des placements et rotations dégueulasses du coup ils sont diamant 2 tu vois. Je vois, mais tu sais qu'en fait, du coup, c'est un peu comme sur Fortnite. Hein. Pour ceux qui se demandent sur la vidéo, faire du créatif c'est important, mais en faire tout le temps ça sert à rien. Faut vraiment jouer en game aussi. Et je pense que ça peut être pareil. Vas-y. Attends, je vais éviter. Tu vois, là je vais la prendre du mur, là je vais mettre une calache, hop, et là c'est but, tu vois. Il faut vraiment que chaque frappe. Mais c'est incroyable. En vrai, c'est trop beau à voir, genre. je la frappe avec le coin de la voiture, regarde, hop, avec le coin là, bam, l'avant là, et du coup ça met une calache. En plus, elle était puissante, hein. Voilà. Mais en fait, selon où tu tapes avec les roues, ça va faire une frappe très faible parce que ça amortisse beaucoup la frappe. Le toit, ça dépend, mais là où ça frappe le plus fort dans Rocket League, c'est l'avant de ta voiture et surtout les coins, avant gauche, avant droit. Okay, d'où l'importance, tu sais, du air-roll, tu sais, quand le tonneau là, tu sais. Ouais. Et est-ce que t'as des conseils à donner justement pour ceux qui débutent là? Parce qu'il y a plein de gens du coup qui commencent à débuter Rocket League là en ce moment. Ouais. Pour ceux qui débutent. Ouais, genre vraiment. Bah après, moi, tu vois, j'ai que 11 heures de jeu, mais. Ouais, bah déjà la première chose c'est de se mettre une bonne config en termes de settings, c'est une bonne base, c'est important. Okay. Parce que 80% des gens en dessous de diamant ont des settings dégueulasses. Et du coup les changent quand ils arrivent champions parce qu'ils comprennent que c'est que jusqu'à maintenant ils avaient des settings dégueulasses, tu vois. Okay. Donc autant avoir des bons trucs dès le début. Et ensuite bah, faites beaucoup de ranked. Jouez dans tous les modes, que ce soit 1v1, 2v2, 3v3, parce que le 1v1 est très sous-estimé. Donc beaucoup de 1v1. Et voilà, mélangez beaucoup de jeux libres aussi. Entre deux games. Et voilà, donc. Alors moi, l'intérêt, en fait, tu vois, les gens qui disent. Quand je t'ai dit qu'il faut pas trop jouer les mechas, ce que je fais, moi, c'est que je joue en jeu libre, tu vois. Ouais. Entre deux games, en attente de recherche, quoi. Je suis en jeu libre, donc je travaille mes mechas. Mais je lance une ranked, tu vois. Comme ça, hop, j'arrive en match. Et dès que je suis pas en match, tu vois, je suis en train de parler avec des potes ou quoi, mais je fais du jeu libre, tu vois. Mais je me fais pas. Je peux m'en faire de temps en temps, tu vois, mais je me fais pas de session exprès training jeu libre, tu vois. Je vois comment. Pratiquement jamais, tu vois. C'est ton temps libre, en fait. Je traîne entre les matchs. C'est ça que je veux dire. J'ai joué à beaucoup de jeux dans ma vie, hein. J'ai joué à énormément de jeux, mais pour moi c'est un des plus durs que j'ai jamais joué en termes de que ça offre mécaniquement parlant. Il y a tellement de choses qui jouent à rien. Ah, tu vois, bam, et là il va être en sueur là. Non, j'ai failli l'avoir. Non, ouais, t'as c'est pas grave. Ouais, là t'es au niveau où tu commences à tenter les arènes là, essayer de les toucher. Ouais, c'est ça. Ça, c'est un truc qui a l'air bizarre quand tu le dis si tu connais pas. Bah, j'ai pas compris moi, ouais. Si tu veux, après on va en jeu, mais je te montre en partie perso et je te montre des trucs de ma POV plein de... Ah, je suis trop chaud pour le coup, ouais. Et bah d'ailleurs, ça servira plein de personnes dans les commentaires si jamais ils veulent s'améliorer ou faire des nouveaux moves en fait. Kedop, lui, théoriquement parlant, si on parle en termes de papier, c'est le deuxième meilleur joueur du monde. Ouais.
C'est-à-dire que c'est le. Y a Turbo Pulsar a gagné, a été 4 fois champion du monde. Canop a été 3 fois. En termes de. A gagné 3 fois les RLCS, hein, je veux dire. Après, en termes de classement en temps réel, c'est le classement que tu as dans le menu principal là que tu peux voir. Ouais. T'as, je sais pas si t'as déjà vu un leaderboard hein, officiel. En direct. Je n'ai pas vraiment regardé, mais. Bah, tu peux regarder. T'as un leaderboard en temps réel de tous les. Bah, des 100 meilleurs joueurs du monde dans tous les modes de jeu, en tout cas classés. Et Kadob, tu vois, n'est jamais dans le top 10, même top 20, peut-être qu'il l'est des fois. Enfin, c'est pas un gros joueur top MMR, tu vois, en termes de. Mais lui, il perf en temps là, tu vois, de nos gens. Quand vous créez un match privé ou que vous voulez en rejoindre un, le fait qu'il y ait des majuscules ne compte pas. C'est-à-dire que souvent, c'est quand je crée un match et que je dis, vas-y, le nom, c'est toi, temps et le mot de passe, c'est ça. Ouais. Les gens souvent demandent, et il y a des majuscules ou pas, tu vois. Et en fait, le. En gating n'est pas case sensitive. En gros, si tu mets le majuscule ou pas, ça va marcher quand même. Ça, on s'en fout. Bon, bah au moins, c'est donc, bon c'est, à savoir. Donc la première, c'est le Al Flip, ça s'appelle. C'est un moyen de se retourner qui est très simple. Donc tu peux l'apprendre en gold. Hein. Toi-même, déjà, tu peux commencer à l'apprendre. C'est un truc qui est vachement utile. Donc en fait, ça t'évite, tu vois, si. Imaginons que t'es chez le coin adverse, tu vois, t'as fini ton action. Tu veux demi-tour. Tu vois, ça, c'est une perte de temps, tu vois. Ouais, d'accord. Donc là, si tu veux te retourner vite, tu fais ça. What? Ok, bon. Ok, je vois comment. Et tu peux tout de suite revenir. Bah en première étape, pardon, tu fais un backflip. D'accord. Classique. Ouais. Facile. Deuxième étape, tu vois, pour faire ton backflip, tu vas vers le back, ton joystick. Ouais. Et bah, dès que tu fais le double croix, enfin double saut, tu montes ton joystick vers le haut, donc dans le sens opposé. Du coup, ça va le cancel, regarde. T'as vu? Oui, je vois. Et ensuite, tu tournes sur le côté. Donc là, je suis. Hop. Et ensuite, t'assignes à ta touche, tu vas dans les commandes. Et t'as ce qu'on appelle, donc le tonneau aérien, c'est important, regardez-le. Mais il y a un truc qui s'appelle tonneau droit ou gauche. Vous mettez l'un des deux sur une touche qui est libre. En général, c'est L3, c'est le bouton du joystick. Ah, mais attends, mais d'ailleurs, mais comment tu pourrais me dire quoi mettre? Parce que là, du coup, j'ai pas moi tous ces trucs. Ouais, ah oui, je vais te le dire juste après, je vais te le dire du coup. Vas-y. Et du coup, tu vois, tu fais ça, ça, hop, et tu fais ton truc de tonneau et ça fait ça. La deuxième chose, c'est ce qu'on appelle le wave dash. Donc, ça, c'est intéressant à plus haut niveau quand même, genre platine, diamant ou quoi. Si tu vois, c'est pareil que si tu faisais un double saut en avant, mais sans l'animation. Tu vois le temps où tu fais ton salto, entre guillemets, ta voiture n'est pas utilisable. Tu vois, tu dois attendre de retomber pour pouvoir. Voilà. Bah, le wave dash, en gros, c'est ça. Ok. C'est-à-dire que ça va. J'ai gagné la vitesse du saut. Mais comment tu fais? Mais j'ai pas l'animation. En gros, c'est simple, tu vois, quand tu fais ton salto avant, hop, t'as vu ta voiture, elle va taper vers le bas. Enfin, elle va faire un. Le haut bascule vers le bas, tu vois. Ouais. Enfin, tu vois. Sauf que dans le vide. Sauf que s'il y a le sol qui est là pour te gêner. Bah, ça te fait un peu plus vers l'avant la place. Tu vois. Imagine-toi ça. Sauf que sur le sol. Ok, ça m'a l'air déjà plus compliqué à faire, je sais pas pourquoi. Ouais, faut avoir le bon timing. Ok. Tu peux le faire sur le côté aussi. Voilà. Et c'est utile par exemple, tu vois, je vais te montrer. Quand t'as zéro de boost. Ah oui, d'accord. T'as vu la vitesse que tu prends? T'as l'impression qu'on dirait un Bambi, genre. Eh, mais tu peux les enchaîner. T'as vu? Et là où c'est vraiment le plus utile, c'est en tombant dans le mur. Tu vois, quand t'es là et tu veux redescendre vite, au lieu de faire ça. Ouais. T'as vu, je suis pas en supersonique là. Ah, clairement pas. Bah, tu fais ça. Et regarde. Ah, du coup, je l'ai perdu en faisant mon saut, je suis con. Mais en gros, ouais, tu vois, tu te mets là, tu sautes et tu le fais en descendant. Ah, tu vois, oui, hop, ok. Tu vois, je vais te montrer les mécaniques du coup pour que tu vois un peu. Donc le entre guillemets le classique, le air drag, enfin le wall drag, donc c'est simplement partir avec la balle depuis le mur sur le toit. Hop, tu vois, tu prends, hop, et tu voles avec. Alors ça. Enfin comme ça a l'air simple en te voyant, mais je vois aussi beaucoup de joueurs me le mettre en game quand j'étais platine, y a des platines qui font ça. Ça arrive, oui, ça arrive. Après c'est plus ou moins bien exécuté, mais ça arrive. C'est la entre guillemets base de tout ce qui va suivre ce que je vais te montrer quoi. Donc ça, une fois que c'est maîtrisé. Tu peux apprendre ce qu'on appelle le sailing shot. Donc ça, tout ce que je te montre à partir de maintenant, tu peux commencer à l'apprendre à peu près diamant, pas avant. Donc. Ok. Donc là, tu vois, sailing shot, c'est très simple. C'est, tu vas ici, tu vas sur le toit. Voilà. Ok, je vois comment. Donc en fait, tu te sers du toit pour... Voilà, exactement. Tu vois que je roule sur le toit. C'est pour ça que je vais expliquer un truc qui est important, qui va être intéressant pour beaucoup de gens, que beaucoup de débutants du coup ne sachent pas. C'est que du coup sur Rocket League, quand vous faites votre saut, comme je l'expliquais tout à l'heure, t'as une seconde et demie pour faire ton deuxième. Tu vois, là je saute, hop, je peux en faire un deuxième. Par contre, si j'attends trop, je peux plus rien faire. Ouais. Et du coup, pour entre guillemets récupérer ce saut, il faut retoucher une surface avec ses quatre roues. D'où le flip reset que je t'ai montré tout à l'heure.
Mais par contre, du coup, qu'est-ce qui se passe si tu ne sautes jamais? Donc par exemple, si tu te laisses tomber du toit. Si tu te laisses tomber du toit sans sauter, tu n'as jamais sauté. Ouais. Ah, du coup, t'as un saut quand tu veux, regarde. Hop là. Ah oui, t'as ok, je vois comment. Et le slingshot, l'intérêt est ici. En fait, l'avantage du slingshot par rapport au air drag, c'est que le air drag, comme tu sautes du mur, bah tu voles avec la balle, mais t'as plus de saut. Donc ta trajectoire, entre guillemets, elle est à peu près tracée. Si c'est un adversaire qui est bon en face, ça va être facile à arrêter, tu vois. Un air drag. Un wall drag, en tout cas. Donc le slingshot, l'avantage, c'est que t'as un saut par rapport au wall drag, tu vois. Là, je suis ici, et là, j'ai un saut disponible. Donc à tout moment, l'adversaire, il arrive, tu vois, et là, hop, tu vois. Ouais, je vois comment, d'accord. Le saut, c'est vachement important, il va te permettre de vraiment le brain au dernier moment, tu vois. Maintenant, je vais te montrer du coup le flip reset. Tu vois, c'est le même intérêt, on récupère un saut, mais sur la balle. Ok. Ah, tu vois là. Et là, tu vas mettre tes 4 coups. Bien. Hop. T'as vu? Je vois. Mais alors, ça, c'est très très dur. Ouais, ça, c'est extrêmement dur. Parce qu'il faut arriver pile au bon moment avec la voiture sous la balle sans te casser la gueule, tu vois. Parce que y aller, le choper, c'est bien. Mais après, t'as vu, j'ai réussi à marquer avec, j'ai réussi à mettre un bon coup dedans. Donc en fait, les gens en général, quand ils apprennent, ils arrivent à l'avoir, mais du coup, ils sont ultra mal positionnés. Et ensuite, il faut faire le bon saut. Enfin, c'est très très galère, donc ça, c'est très compliqué. Pour ce qui est du jeu au sol, je peux te montrer du coup le dribble et différents types de shots. Vas-y, ça marche. Bah, au pire, montre des trucs qui sont plus abordables pour des gens qui ont dizaines d'heures de jeu, tu vois, par exemple. Voilà. Alors quand t'es en free play, tu vois ce que tu peux commencer à t'apprendre, donc faut l'apprendre le plus tôt possible. Tu vas pas le maîtriser, hein, mais c'est pour plus on démarre tôt, plus c'est. C'est en fait apprendre à te balader avec la balle sur le toit, tu vois, avoir un bon contrôle de ballon. Donc au début, tu t'apprends à te balader, tu vois, comme ça. Faire dérapage, hop, demi-tour. L'intérêt au début, ce qui est intéressant comme exercice, c'est de faire des tours de terrain, tu vois, tu prends la balle. Tu la gardes sur ta tête. Voilà, non, comme ça, au début. Hop, elle doit pas toucher les bords, tu vois. Tu restes comme ça. Okay. Une fois que tu maîtrises un petit peu ça, tu peux passer à essayer de t'entraîner à garder sur la tête. Au début c'est dur, mais une fois que tu maîtrises, tu vois, là je maîtrise, je peux la garder autant de temps que je veux, tu vois, si à moins que voilà, je perde dans l'attention. Mais théoriquement parlant, s'il faut rester 20 minutes, je reste 20 minutes comme ça, tu vois. Okay. Donc tu vois, donc là l'intérêt, tu vois, c'est que comment on se déplace avec la balle sur le toit, il faut qu'elle tombe du côté où t'as envie d'aller. Par exemple, si j'ai envie d'aller à droite, je la fais tomber du côté droit, et du coup pour aller la récupérer, je suis obligé d'aller à droite, et du coup ça me fait aller à droite. Je vois comment. Ouais, bah c'est physiquement normal, quoi. Voilà, donc garder la balle, c'est intéressant. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que du coup, en termes d'en V1, tu vois, t'arrives ici. Hop! T'as vu? Ouais, je vois. En 1v1, situation d'en V1, le mec il arrive, il est dans ses cages, il t'attend. Après, t'as celui-là aussi. Boum! Moi, j'en vois que des caviar là, donc ça fait barre, mais tu vois, donc t'as plein de types de shots, enfin de flics, on appelle ça un flic. Donc t'as celui qui est en avant, comme ça. Celui-là, je le fais déjà, celui-là. Voilà, soit c'est le truc le plus casu, t'es en arrière. Moi, je l'ai raté. Voilà, t'es en arrière. T'es en diagonale, bref, t'as plein de trucs. Ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est le arrière-diagonale. Enfin, en gros, c'est ça. Tu vois, ce que je viens de faire là. Ouais. Avec la balle, et c'est assez fort, mais voilà, c'est... Tu vois, ça permet de faire des bons petits trucs. Je sais pas la mettre. Donc voilà, ça, c'est des petites mécaniques que t'apprends au fur et à mesure, qui sont pratiques. Et le 1v1 est vachement pratique pour ça, c'est qu'il t'apprend vraiment à être décisif sur le 1v1, tu vois. Donc il y a un truc qui s'appelle le Musty Flick, t'as peut-être déjà entendu le nom quelque non, part. Jamais. Bah, il s'appelle Musty Flick parce que le mec qui l'a inventé, c'est Musty, c'est le plus gros youtubeur Rocket League aujourd'hui, en tout cas aujourd'hui. Il a combien? Quand 1,4 million. Ah ouais. Quand il l'a inventé, il avait 5 000 abonnés, et du coup il s'est fait connaître grâce à ça, du coup. Parce que le truc porte son nom. En gros, c'est très simple, mais moi je le maîtrise pas trop parce que j'en ai pas trop d'utilité, mais en gros, c'est un genre de. Merde, j'ai raté. En fait, c'est un genre de flic où tu bascules en arrière pour rebasculer en avant et en gros, ça envoie un truc surpuissant, tu vois. Bon, là, j'ai raté. J'essaie de le faire, mais sans marquer pour avoir une. Ah, mais ça me fait penser aussi à un truc. J'ai déjà vu, je sais plus c'est quoi le nom, c'est pas un pinch où en gros, tu tapes la balle au sol et du coup, elle a une puissance phénoménale, genre. Alors, le cuxir pinch, c'est quand tu la. Bon, en gros, un pinch, c'est quoi sur le kétique? C'est quand tu coinces la balle avec une surface, n'importe laquelle, tu vois. Et du coup, elle part. Le cuxir pinch, voilà, ben j'en fais un là si tu veux, regarde. Ouais, comme ça, ok, ouais. Tu vois, but. Ça s'appelle un cuxir pinch, c'est quand tu la pinches avec le mur comme ça là. T'as vu le tonneau aérien? Hop, je me tourne, et poum, tu vois. Et c'est pour ça que parfois il y a des balles qui partent à une vitesse incroyable. Exactement, bah, c'est pareil dans la vraie vie, hein. Tu prends une balle de ping-pong, tu la mets sur une table, et avec ton poing, tu tapes, mais sur le côté de la balle, tu vois, elle va être propulsée, tu vois, sur le côté. Ouais. C'est le même délire, tu vois, c'est une physique assez normale, mais dans la vraie vie c'est pareil, mais bon, on fait rarement ça, tu vois. Mais tu vois, regarde. Par contre, le Breezy Flick, c'est un truc encore plus dur. Tu vois, ça c'est stylé par contre, je trouve. Voilà, ah oui, voilà. D'accord.
T'as vu la patate que ça envoyait? C'est en fait le fait qu'elle glisse sur toute ta voiture, sur tout le long de ta voiture, ça envoie une calage, regarde. Regarde, genre elle roule, et ça envoie vraiment un pavé. Un canon, quoi. Ouais, je vais m'en mettre très très haute, tu vois, mais quand on va ça en pleine lutte, imagine bien que, bon, le double tap, si jamais tu sais pas ce que c'est quand t'envoies la balle sur le backboard ennemi, donc le backboard c'est le mur au-dessus des cages. Je vais te montrer si tu veux. Vas-y. Je fais ça. Tu vois là, hop, elle tape au-dessus. Et tu la retapes. C'est fort ça aussi. Hein. Ça c'est classique entre guillemets, même si ça a l'air incroyable. Bon là je l'ai fait en sling shot, t'as vu, je suis tombé du toit. Mais si tu pars en l'air et tu la retapes, ça s'appelle une double tap. C'est tant qu'en fait que tu l'envoies sur le mur et que tu la reprennes ensuite, ça s'appelle une double tap. Là je l'ai fait en sling parce que c'est plus joli. Mais voilà. Ouais, je pense que je t'ai à peu près tout montré. Bon, ce qu'il y a. Déjà... Les commandes, on finit. Ouais, les commandes, vas-y, les commandes, vas-y, ça marche. On ouais, finit là-dessus. Du coup, bah, quitte le match, je t'explique un petit peu les commandes que je te conseille. D'accord. Donc dans commandes, avant de pouvoir les modifier, t'as vu, t'as une petite interface avec sensibilité de direction aérienne, etc. Ouais. Réponse accélérée de saisie au clavier. Ça, en fait, c'est, là pour le coup, c'est pas le joueur clavier, mais c'est à zéro de base et on touche pas. Voilà. Et puis voilà, c'est tout. Donc maintenant, tu peux aller dans voir, changer les commandes. Donc c'est là où c'est intéressant. Ok, ouais. Donc là, en fait, les touches de base, il y a des pros qui jouent avec, parce qu'ils ont commencé avec au tout début, et ils les ont gardées, et c'est faisable, tu vois, c'est faisable. Tu peux devenir joueur pro avec, c'est pas un souci. Là, maintenant, je vais te donner des commandes qui sont plus confortables dès le début, voilà. Ça veut pas dire que avec les touches de base, on peut rien faire, je connais plein de potes à moi, plein de pros ou quoi qui sont avec. C'est juste que c'est des touches qui sont plus confortables à utiliser, c'est plus facile de progresser avec, quoi. Ok. Donc moi, ce que je te conseille, c'est de mettre votre boost à la place d'être sur rond ou sur B si vous êtes sur manette Xbox, de le mettre sur R1 ou RB. C'est les deux touches qu'il y a. Alors. Ouais, mais aussi, moi, il y a un truc, c'est que j'ai des palettes. Ouais, mais ça, on s'en fout vraiment. Et également, du coup, descends un petit peu, t'as une touche qui s'appelle tonneau. Il est où? Tonneau droit, tonneau gauche. Juste en dessous du tonneau aérien, du dérapage, t'as tonneau aérien. Oui, ok, ouais. Mais aussi sur L1. Les deux, par défaut, sont sur la même touche. Et tu les déplaces sur L1, les deux. Voilà. Donc le dérapage prend effet quand t'es au sol, tandis que le tonneau aérien prend effet quand t'es en l'air. Voilà, donc c'est la même touche pour les deux. Ok, ça c'est important. Maintenant, tant qu'on y est, en fait, avant, t'avais déjà une touche assignée à L1, donc on va la déplacer. Donc de base, je crois que c'est le score. Si tu descends un petit peu, t'as score qui doit être sur L1, je pense. Exactement. Je mets sur pad à la rigueur. Ouais, tu peux le mettre sur carré, du coup, vu qu'on on a interverti les deux. Ok, c'est bon. Tu peux le mettre sur carré, voilà. Descends tout en bas, vraiment tout en bas. T'as un truc qui s'appelle réinsaisir le tir. Normalement, il est sur R1. Ouais. Sauf qu'on a mis le boost, donc mets-le sur rond, par exemple, vu que rond, on l'a déplacé également. Ça sert à quoi, voilà. Ça, réinitialiser le tir? C'est quand t'es en jeu libre, ça reset la balle au milieu, voilà. Voilà, et ça, c'est les deux principaux trucs, voilà. Le boost sur R1 et le dérapage sur L1. Et normalement, t'as tout, t'es bon. Ah, c'est un petit truc, du coup, pour faire le half flip que je t'ai montré au début. Tu descends un petit, enfin, tu remontes, tu vas vers le milieu, et t'as un truc qui s'appelle t'as tonneau droit et tonneau gauche. Ouais. Par défaut, ils sont pas assignés, t'as pas besoin des deux. Ce qui peut être intéressant, c'est le droit ou le gauche, peu importe. Moi, j'ai mis le gauche, donc mets le gauche si tu veux, peu importe. Et tu le mets sur le L3, donc c'est le clic du joystick gauche quand tu l'enfonces. Et mes palettes, du coup, elles me servent à rien sur Rocket League. Oh, tu peux mettre une palette si tu veux. Moi, je te conseille de mettre sur L3. Tu pourras mettre ton droit, enfin, je sais pas. Je vais pas te mentir, je connais pas du tout les binds sur une manette à palette. Donc, moi, je te donne des binds, vu que les gens qui vont regarder, moyen qu'ils aient pas de palette. Je te donne des binds généraux pour manette, quoi. Ok, ça marche. Donc ça va te permettre, du coup, de faire le half-flip que je t'ai montré au début, voilà. Voilà, je pense avoir tout dit. Juste dans vidéo, désactiver la synchronisation verticale, c'est pareil dans tous les jeux, j'imagine que tu le sais. Sur Fortnite, oui, c'est pareil, j'ai vu. Ouais, c'est de la merde. Donc voilà, sinon à part ça, tout est good. Je pense là, t'as des bons settings, là, tu peux monter super sneak les gens, là, je t'attends. Je peux devenir champion du monde, là, c'est bon, sur les c'est bon. RLFS. RLCS. C'est comme FNTS, Fortnite, okay. Championship Series, là c'est Rocket League Championship Series, c'est pareil. Juste un truc dans l'interface, il y a des gens qui posent la question, donc comme ça ils le poseront pas dans ta vidéo. Dans interface, t'as plein de petits trucs qui sont cochés ou quoi. Il y a un truc qu'il faut cocher, ça s'appelle système métrique, si tu l'as pas coché. Ouais, c'est quoi? En gros, quand tu marques un but, tu sais, il y a écrit la vitesse. Oui. Si c'est pas coché, la vitesse elle est en miles par hour. Donc si tu coches, ça passe en km/h en fait. Ouais, c'est tout. Il y a beaucoup de gens qui me demandent, ouais, pourquoi moi j'ai pas en km/h? Bah faut cocher ça, voilà. Faut cocher le système métrique et ça te met en km/h, voilà. Voilà. Et bah c'est parfait, écoute. Merci.